Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une autre lecture analytique sur les essais de Montaigne. Cette fois-ci sur le livre 2, le chapitre 18, qui s'intitule « Du démenti » et où Montaigne, en fait, s'interroge sur l'utilité de l'écriture, puisque l'écriture des essais, en fait, s'est étalée sur une durée de plus de 20 ans. Et Montaigne, arrivé à un certain point, s'interroge à voix haute dans ce chapitre sur l'utilité et ce qui l'a poussé en fait, et s'il a raison de continuer dans cette activité d'écriture solitaire. Et il nous apporte une réponse sous une forme un petit peu lyrique et un petit peu poétique, ce qui est assez rare en fait dans les essais et assez rare chez Montaigne. Et on va voir donc dans l'explication comment l'écriture est justifiée, l'activité de l'écriture est justifiée. Je vous retrouve tout de suite pour l'explication. Alors, bonjour, donc on va étudier aujourd'hui un extrait des essais de Michel de Montaigne. Et les essais, c'est un livre qui présente une libre réflexion personnelle de son auteur sur une variété de sujets, sur des sujets extrêmement divers qui se présentent à l'attention de Montaigne. Et dans certains chapitres, l'auteur oriente sa réflexion un petit peu sur lui-même et sur ce qu'il est en train de faire dans l'écriture, sur ce qu'il tente d'atteindre en fait à travers l'écriture. Et son propos à ce moment-là se donne comme une justification de l'écriture, de l'activité de l'écriture, et comme ce qu'on appelle un art poétique. C'est notamment le cas dans l'extrait qu'on va étudier, qui s'intitule « Du démenti », extrait du deuxième livre des essais du chapitre 18. Alors on va lire un passage. Montaigne sur le démenti. « Et quand personne ne me lirait, aurais-je perdu mon temps d'avoir consacré tant d'heures oisives à des pensées si utiles et si agréables ? Moulant cette figure d'après moi-même, il m'a fallu si souvent me façonner et mettre de l'ordre en moi pour m'extraire, que le modèle s'en est affermi et en quelque sorte formé lui-même. En me peignant pour les autres, je me suis peint avec des couleurs plus nettes que celles qui étaient les miennes au début. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait. C'est un livre consubstantiel à son auteur. Il ne s'occupe que de moi, il fait partie de ma vie, il n'a pas d'autre objectif ni de but extérieur à lui-même, comme tous les autres livres. Ai-je perdu mon temps pour m'être ainsi examiné de façon aussi continue et avec un tel soin ? Ceux qui se regardent seulement en pensée et en parole, un instant en passant, ne s'examinent pas si profondément, ne pénètrent pas aussi loin en eux-mêmes que celui qui en fait son étude, son œuvre et comme son métier, en s'engageant à en tenir le registre permanent de toute sa foi et de toutes ses forces. Les plaisirs les plus délicieux se savourent à l'intérieur, ils évitent de laisser une trace d'eux-mêmes, ils évitent d'être vus, non seulement de la foule, mais d'un seul. » Alors, on va étudier cet extrait selon deux axes de lecture. On va montrer tout d'abord que ces essais sont l'œuvre d'une vie, mais en même temps que c'est la vie d'une œuvre. Et dans un second temps, nous expliquerons le bénéfice spirituel que Montaigne a tiré de l'écriture. Alors, l'œuvre d'une vie et la vie d'une œuvre, il y a une question rhétorique qui est posée au tout début, dès la ligne 1. Et une réponse négative s'impose implicitement. Le but de l'écriture n'est pas dirigé vers les autres, mais est dirigé vers soi-même. Hein. Quand bien même personne ne me lirait, je n'aurais pas perdu mon temps, c'est ce que veut nous dire Montaigne sous forme de cette question rhétorique. Il utilise une métaphore de la sculpture à la ligne de Moulant, cette figure d'après moi-même. C'est une métaphore que Montaigne utilise couramment, la sculpture ou bien la peinture, qu'il va faire un petit peu plus loin, et qu'il a fait également dans l'adresse au lecteur, dans le texte liminaire des essais, pour montrer en fait que, entre le modèle et sa représentation, eh bien le centre d'intérêt se déplace curieusement, non pas sur la représentation, non pas sur l'écriture, mais sur le modèle lui-même. Il y a des verbes réflexifs qui sont employés. Montaigne parle, il m'a fallu souvent me façonner, et il y a ce complément circonstanciel de lieu, il m'a fallu mettre de l'ordre en moi. Donc c'est le sujet, hein, c'est le modèle, c'est l'homme, Montaigne, qui tire bénéfice en fait de cette écriture. Un petit peu plus loin, aux lignes 4 et 5, eh bien, c'est la métaphore de la peinture qui prend le relais, et
les autres, hein, en me peignant pour les autres, eh bien, n'est pas considéré comme le but ultime. En fait, les autres sont considérés comme un détour pour atteindre le but ultime qui est, lui, de se peindre, nous dit-il, à la ligne 5, avec des couleurs plus nettes que celles qui étaient les miennes au début. Il y a donc une équivalence, en fait, un jeu de va-et-vient entre l'homme et le livre, entre le modèle et la représentation. Et grâce au renversement passif en fait, de la proposition, je n'ai pas plus fait mon livre hein, à la voix active que mon livre ne m'a fait à la voix passive. Il y a donc une idée de consubstantialité, comme il le dit à la ligne 6, entre le livre et son auteur. Une deuxième fois, il reprend de manière anaphorique la question rhétorique qu'il posait à la ligne 1, il la reprend à la ligne 9, de manière actualisée. À la ligne 1, c'était au mode conditionnel, à la ligne 9, c'est à l'indicatif. « Ai-je perdu mon temps pour m'être ainsi examiné de façon aussi continue, avec un tel soin ?» Eh bien, là encore, la réponse implicite est négative. Hein. « Non, je n'ai pas perdu mon temps. » Cette activité d'introspection est justifiée en fait par Montaigne par opposition à ceux qui, à la ligne 10, eh bien, ceux qui ne le font pas, ceux qui font l'inverse et qui ne s'examinent jamais, à qui il est attribué des formules négatives. Ne pénètre pas aussi loin en eux-mêmes que celui qui fait son étude. Et Montaigne énumère en fait toutes les nuances de son activité. Il parle à la ligne 13 d'une étude, d'une œuvre, hein, il y a cette énumération de termes, étude, œuvre et métier. Donc toutes les nuances en fait de l'activité de l'écriture qu'il a menée avec une force d'engagement hein, qui est dénotée par les termes de toute sa foi à la ligne 13 et de toutes ses forces également à la ligne 13. Alors le second volet de l'argumentaire de Montaigne eh bien, est une généralisation et parle en fait du concept du plaisir, c'est-à-dire, c'est notre deuxième axe de lecture également, le bénéfice spirituel de l'écriture. Encore une question rhétorique à la ligne 16, combien de fois ce travail m'a-t-il détourné de réflexions ennuyeuses ? Encore une fois, la réponse implicite, hein, le lecteur l'a fait lui-même, beaucoup de fois serait-on tenté de dire. Montaigne prend argument de la nature avec un N majuscule et non pas de Dieu, c'est à noter, et insiste sur l'idée de responsabilité morale de l'individu. La nature nous a doté d'une grande capacité de nous mettre à part dans nos réflexions et elle nous y convie souvent. C'est donc hein, une responsabilité morale de l'individu de se mettre à part de la société. Il y a une préférence donnée à l'individu sur la société. Aux lignes 19 et aux lignes 20, nous nous devons en partie à la société, mais aussi pour la meilleure part, à nous-mêmes. Hein, donc il y a cette préférence pour l'attention portée en fait à l'individu que l'écriture introspective de Montaigne permet. Et en fait, Montaigne nous explique que paradoxalement, cette activité est assez facile, rien de plus facile en effet, absence d'effort de l'imagination. Ce n'est pas une écriture hein, qui doit se faire dans la douleur et dans la souffrance. À la ligne 22, l'imagination est mise en position d'objet grammatical par rapport aux pensées qui se présentent à elle. Il suffit de donner corps à tant de menues pensées qui se présentent à elle et en tenir le registre. Il suffit donc, selon Montaigne, de se mettre dans un état de passivité et de réflexivité pour simplement se transformer en enregistreur en fait, des pensées qui se présentent à nous. Un autre bénéfice aussi, quelque chose d'autre, de différent de l'écriture, eh bien, c'est la liberté face à la censure sociale, face à la censure morale. On peut dire, seul face à sa page de papier, beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas dire en société, que la société m'interdisait, dit-il, à la ligne 24. Et puis le texte se termine ensuite sur des réflexions diverses et variées, sur un peu un pêle-mêle avec de la badinerie poétique de Clément Marot, qui était un poète de son époque, et aussi le dernier bénéfice qui est noté par Montaigne de cette activité, c'est l'attention en fait plus soutenue portée au livre depuis qu'il a décidé d'écrire le sien et donc de dialoguer en fait avec ses auteurs de l'Antiquité.
Donc, pour nous résumer et en conclusion, eh bien, on a vu que les essais de Montaigne sont envisagés par son auteur comme l'œuvre d'une vie, mais aussi comme une œuvre qui vit, hein, comme la vie d'une œuvre. Et avec cet échange permanent entre le modèle et sa représentation, entre le livre et son auteur. Et l'écriture est justifiée d'une deuxième manière, avec l'explication, l'énoncé en fait, des bénéfices spirituels que Montaigne en a tirés. Alors ce texte est écrit dans une tonalité assez lyrique, hein, ce qui est assez rare chez Montaigne, en particulier dû au procédé de l'anaphore, des questions rhétoriques qui sont reprises de paragraphe en paragraphe. Et cela, en fait, sonne comme une invitation personnelle, presque, que Montaigne nous envoie, par-delà les siècles, à faire comme lui, à l'imiter, à prendre notre plume, à se mettre devant une feuille blanche, à se mettre dans cet état de réceptivité passive et à noter les pensées qui nous viennent à l'esprit et à dérouler de là le fil de notre réflexion. Et c'est là où le dialogue de cet auteur avec son siècle, avec le XVIe siècle, puisqu'il prend tous ces thèmes de réflexion dans son actualité, eh bien est aussi un dialogue avec les siècles futurs, les siècles passés, puisqu'il y a ces constantes références à l'Antiquité, et les siècles futurs, puisque ce dialogue en fait, que Montaigne tient avec ses contemporains, il le tient également avec les gens des siècles ultérieurs, avec vous et moi, et avec les gens des siècles futurs. Voilà pour cette lecture analytique sur ce passage assez intéressant de Montaigne, des essais sur le démenti. Je vous invite à faire ce que Montaigne recommande de faire, pour ceux qui aiment évidemment l'écriture. C'est une expérience presque spirituelle en fait, de se mettre dans un état de passivité totale, de réceptivité maximale à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et de là, de dérouler le fil de l'écriture et de procéder comme Montaigne le fait, sans ordre, sans structure préétablie, seulement se laissant guider par le fil de ses pensées et les transformations successives de ses pensées. Et c'est cette tentative en fait, dans laquelle s'est engagé Montaigne à partir de 1572, et qui, en fait, lui a donné tellement d'intérêt, de bénéfices, il a trouvé tellement de choses intéressantes dans cette activité qu'il en a fait son activité, son œuvre, son métier, hein, comme il le dit, pour le reste de sa vie. Alors je vous invite peut-être pas à faire ça pour toute votre vie, mais en tout cas à faire l'expérience, parce que effectivement, rares sont les moments où on se laisse aller à s'examiner soi-même, à fond et à travers l'écriture, à essayer de rendre compte en fait de ses pensées, de ses sentiments et du cheminement de sa réflexion. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à faire comme ce que Montaigne vous invite à faire, c'est-à-dire écrire vos essais, écrire vos pensées.